Allez, Vandenberg devant Venturini. Costiou, l'autre coureur de l'équipe Arkea B&B Hotel, est un petit peu plus loin derrière. Vous le voyez avec son maillot jaune. Allez, encore un virage gauche, un autre la virage gauche. Et on sera aux 500 mètres. 500 mètres en montée, très difficile. Où il faudra sprinter. C'est une légère courbe sur la gauche. Donc il faudra bien être à gauche des barrières si on veut faire le moins de distance possible. Ferns, le vainqueur de l'an passé, est en dernière position avant d'aborder le final. Costiou qui attaque. Costiou veut nous refaire le coup avec deux lettres. Costiou de lettres, effectivement. Benili qui accélère. Il est prévenu très certainement. Benili est fort. Il a juste accéléré là. Il est revenu à la même vitesse que Costiou et de lettres qui ont attaqué. Est-ce que de lettres va pouvoir contrer? Non, je pense pas. On va virer en tête. Allez, ça va être pour Venturini du côté de l'Arkea B&B Hotel là. Et là, c'est très bien lancé évidemment pour Vandenberg. Benili qui va lancer Vandenberg. Oh là là, mais il roule depuis tout à l'heure. Et regardez, il est en train d'emmener le sprint maintenant pour Vandenberg. On arrive aux 300 mètres. 300 mètres, sortie du virage. Benili toujours devant. Allez, Venturini, de lettre, Venturini. Venturini pour aller chercher la victoire d'étape peut-être. Venturini qui passe devant Vandenberg. Venturini devant Vandenberg et Van Boven juste derrière. Vandenberg qui prend maintenant l'ascendant. Vandenberg qui est en tête. Venturini va-t-il pouvoir revenir? A-t-on lancé le sprint de trop loin pour Vandenberg? Il se retourne avec Ostefroy qui remonte en finalement. Vandenberg qui remporte à la fois l'étape et qui remporte le classement final de ce Région Pays de la Loire Tour. La victoire néerlandaise de Vandenberg qui avait débuté cette épreuve en s'imposant dans la première étape et qu'il a conclu en s'imposant dans la dernière étape. Le match parfait par domination totale de cette équipe IF Education Easy Post.